بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من فخير ابن سيون إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons par remercier Allah, Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et son ordre, nous fait nous rejoindre dans sa léala pour nous continuer nos explications, la réalité et gravité des bid'a dans le din al-islam. Et dans nos 12e session de ce soir, concernant ban preuve depuis Coran et Sunna, et parole de ban salaf al-salih, qui bid'a peut dans sa place dans l'islam, nos dernières sessions concernant cette preuve-là. Et là, à partir de demain, nous vous passons à un autre chapitre dans Bid'a. C'est tout Bid'a, c'est l'égarement. Et Inch'Allah, nous pouvons expliquer avec détail. Tout Bid'a, c'est l'égarement. Ensuite, le dernier volet de cette explication-là, pour concentrer l'argument qui, ben, Ahlul Bid'a, c'est avancé pour justifier ce bid'a et sa réfutation. Dans nos 12e session de ce soir, nos 4e partie concernant une preuve qui bid'a peine à se place dans l'islam. Alors jusqu'à maintenant, nous finissons sur 9 preuves concrètes, soit depuis le Coran, soit depuis la sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam, soit depuis les paroles de ban salaf salih. Commencez par les Sahaba, les Tabi, les Tabi, Tabi'in et les ulama de l'islam, ensemble de l'islam qui digne de confiance, qui en a frayé Allah subhanahu wa ta'ala dans eux. Nos 10e preuve, c'est pour montrer qu'il bida a sa place dans l'islam. Connaît mon frère et mon soeur, nous finissons le latir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas adorer Jimoun dans le Khabar, nous pas adorer Jimoun même, nous adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les fins préconisent un système pour nous adorer, nous pas pour gagner droit sauter en dehors de ce système-là. Nous pas obliger, maintenir alors ce système-là, pour nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous guettons dans l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ce din de ce habib, al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous capables de dire, il divise l'islam en des. L'obligation et ben quitte chose qui appelle nafil. Parce que c'est deux façons-là qui nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste à travers faraz et à travers nafil, sunnat, mustahab, qui nous dit nafil, qui nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'il y a une action, li ni faraz, li ni mustahab, li ni nafil, mettre ça en pratique, mettre ça action-là en pratique pour rapprocher-nous avec Allah, définitivement c'est bida. S'il n'est pas faraz, il n'est pas tombe ni dans la catégorie faraz, ni dans la catégorie nafil, définitivement c'est bida. Puis il se place dans l'islam, parce que l'islam saisit à travers une action qui est faraz ou bien nafil, qui nous capable rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, basant le hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit, dans le hadith Qudsi, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon esclave, pas rapproche-li avec moi par une petite chose qui me plie content, qui c'est qui me fait faire faraz l'ouli. Allah extra content, quand nous rapprochons-nous avec lui, pour mettre en pratique une petite chose qui lui fait faire faraz de nous. Ensuite, il continue à dire, mon esclave, continue à rapprocher-lui avec moi par ma nafil, jusqu'à qu'il me compte en lui. Jusqu'à qu'il me compte en lui. Alors, à la lumière de ce hadith, mon frère et ma soeur, il est clair. Comment nous rapprochons-nous avec Allah pour accomplir faraz? C'est que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous et pour accomplir ben nafil.
fina un troisième petite chose pour lesquelles nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce hadith est clair pour comprendre qu'il y a une personne capable de rapprocher avec Allah seulement pour accomplir les obligations ban faraz, ban faraïd, ou soit ban sunnat nafil, une action qui paye pas une preuve pour dire qu'il y a un faraz ou bien il y a un sunnat nafil, n'est pas capable d'un ibadat qui rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors définitivement, il y a un point bid'a que l'islam rejette. Donc bid'a, pas rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a ni un faraz, ni un nafil. Et si nous pas une preuve pour dire que tel ibadat est un wajib obligatoire, ou soit un sunnah, nous devons dire qu'il y a un bid'a. Si pas une preuve, faraz ça, si pas une preuve, nafil sunnat ça, mais qui ne reste? Qui ne reste? Parce que dans l'islam, il y a deux chemins-là qui nous rapprochent avec Allah subhanahu wa ta'ala, par faraz ou bien par nafil. Alors, comment est-ce qu'il nous capable de rapprocher avec Allah, tabaraka wa ta'ala, par une action qui Allah et son Rasoul, pas fin décrète l'ikam, un acte qui rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah wa ta'ala, il dit, bid'a dans din, c'est ce qui Allah et son messager pas fin légiféré. Et c'est ce qui le prophète pas fin ordonne faire, ni comme une obligation, et ni comme une recommandation. Alors, sa parole-là, il base au hadith qui nous fait mentionner. Parce que dans l'islam, rapproche-nous avec Allah, par faraz, Allah est très content, et il est plus content, nous plus rapproche-nous avec lui pour accomplir la nafil. Ibn Rajab, rahimahullah, ta'ala, il dit, hein, c'est lui qui rapproche lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, par une action qui Allah et son Rasoul, pas fin décrète li comme un acte qui rapproche nous avec Allah, sa action là, li invalide et li rejette l'eau lui-même. Allah retourne les actions là, l'eau nous-mêmes. Et, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, tout ban ibad, tout ce qui appelle ibad, et un acte, pas appelé ibad, aussi longtemps qu'il peut une preuve depuis le Coran et Sunnah, soit il y a un ibada qui faraz, soit il y a un ibada qui nafil. Alors, tout ban ibada, je te repose l'un l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la révélation qui Allah fait une révèle de ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous appelle les traditions prophétiques, hadith authentique de Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Ce qui n'est pas confirmé, qui en a un l'autre l'eau-là depuis Allah subhanahu wa ta'ala, l'innovation. Donc, ça c'est nos dixième preuve qui montrait qu'il vient peine à se place dans l'islam parce qu'il nous dit zis ce qui faraz ou bien nafil qui rapproche nous avec Allah peine un troisième petite chose. Peine un troisième petite chose qui rapproche nous avec Allah à part ban kitso qui faraz dans din Allah et ban kitso qui nafil dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Nos onzième preuve et avant-dernière preuve de ce soir, nous pas en droit faire ce qui nous pas fin gain l'autre pour faire. Pas gain droit faire une petite chose qui Allah pas nous ordonne nous, son Rasoul pas nous ordonne nous. Soit un l'autre qui a une obligation, ou soit un l'autre qui a une recommandation. Si man l'autre, je divise en plusieurs qualités. Nous avons l'autre, l'obligation, et l'autre qui appelle recommandation. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour faire djihad contre ban. Qui fait ce qu'ils ont pas fin gain l'autre pour faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour faire jihad contre ban qui fait ce qu'ils ont pas fin gain l'autre pour faire. Nous comprend par ça qui ban qui fait ce qu'ils ont pas fin gain l'autre pour faire en réalité ils ont pas mal faire. Donc l'effet que chaque bida qui est pratiqué c'est une action qui Allah et son Rasul pas fin ordonne nous pour faire. Ça montre nous clairement que c'est lui qui peut faire lui, en réalité, il peut mal faire. Et alors, nous devons faire tous nos efforts pour empêcher ça quelque chose. Empêcher ça le mal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas fin, il n'y a aucun prophète dans le hadith qui est dans le Sahih Muslim, qui Allah fin envoyé avant moi dans un peuple, excepté qui fin, il n'y a pas allié et pas compagnon de sa ummah. De ce ummet qui fin attrape ce sunna et zot fin obéir ce l'autre. Pas fin existé. Aucun prophète qui Allah fin envoyer le salatiyala avant Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam, dans un peuple, excepté qui fin en ban allié, et ban compagnon, dans ce ummat, sa prophète à ce ummat, qui fin attrape ce sunna, et zot fin obéir à ce l'autre. Ensuite, gagne ban dimoun qui fin après. Zot dire ce qu'ils ont pas fait, zot faire ce qu'ils ont pas fin donne zot l'autre pour faire. C'est une prédiction, pure prédiction, de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Alors, pour en ban dimoun, qu'ils ont dit à ce qu'ils ont pas fait. Ensuite, pour un amant du monde qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas fini l'autre pour faire. Voilà, c'est une réalité. C'est une prédiction aujourd'hui qui peut manifester, mon frère et ma soeur. Alors, l'existence des bidans, nous Rasoul, alayhi salatu wassalam, tous les temps, fin averti contre ça. Alors, nous continuons à avertir afin qu'il nous n'a pas tombé dans sa catégorie du monde qu'ils ont fait, c'est qu'ils pas fini, ils ont pas fini l'autre pour faire. Et il continue dans le même hadith, il dit, hein, c'est lui qui finit faire djihad contre Banla avec Solamé. Avec sa bonne qualité du monde qui fait, man qui chose, qui ne pas finir l'autre pour faire. C'est lui qui fait djihad contre Banla avec Solamé, il y a un mu'min. C'est lui qui fait djihad, c'est une capacité pour faire djihad avec Solamé, contre Banla, alors il y a un mu'min. C'est lui qui finit faire djihad contre Banla avec Solalang, pour faire bayan ou l'haq, pour expliquer ça, c'est bida ça. À ibadat dans l'islam, les divisant des faraz et nafil. Bizan a preuve depuis soit Coran, soit Sunna. Bizan a preuve soit depuis Coran, soit depuis Sunna. Alors, il fait djihad avec cela langue. Il y avait un petit sa bida la fait attention. Les prophètes finissent dire tout bida c'est les gamins. Et tous les gamins amènent vers l'enfer. Tout nouveauté dans din c'est bida. Tout bida c'est les gamins. Et tous les gamins amènent dans l'enfer. Faire djihad dans sa façon là pour expliquer, pour clarifier. Alors, li un mu'min. Celui qui finit de faire djihad contre Banla avec ce l'équerre. Qui veut dire djihad avec l'équerre? Il n'a dégoût pour ça qui t'ose. Il déteste ça qui t'ose. Il n'a pas avoué ça qui t'ose. Il montre colère envers ça qui t'ose. Ça appelle djihad avec l'équerre. Il est un mu'min. Après ça, pas il a un lagre moutard iman. Celui qui n'est pas capable de faire djihad contre Bida, ni avec Solamé, ni avec Solabous, et ni avec ce l'équerre, pas il a un lagre moutard aussi iman dans ce l'équerre. Il est grave. À cause ça, qui est un parmi, ban l'aspect fondamental dans Dawa, un parmi ban pilier fondamental dans Dawa, c'est nous obliger continuellement, d'une façon perpétuelle, à avertir contre Bida, dans toutes ces formes qu'il existait, qu'il y soit conception, qu'il y soit action, qu'il y soit parole, qu'il y soit grand, qu'il y soit petit, peu importe. Ça, c'est qualité des ban croyants, qualité des Ahl Sunnah wal Jama'a. Et nous dernière preuve pour ce soir, et nous terminons avec ça. Nous deuxième preuve, connaît mon frère et ma soeur, qui Janna garantit pour celui qui pas ajouté dans din. Rasulullah alayhi salatu wassalam fin de nous garantir. Janna, il y en a beaucoup de façons. Il fin garantir nous Janna. Mais n'a doute, en tête de liste, c'est molo tawhid. Molo tawhid, pas molo shirk. Pas molo ado kabar, jimoun mo dan kabar. Molo tawhid. Ça garantit numéro un. Et il y a beaucoup qui de choses en cours, les fins de nous. Donne-nous garantie de ça, les donne-nous garantie de jannat. Un parmi les qui de choses qui les fins garantie nous, c'est pas ajouter dans din, mo garantie de jannat. Jannat garantie pour celui qui pas ajouter dans din. Alors, pas prendre comme un plaisir, comme une gloire, comme un honneur, mon aspa tant suivre. Autant du monde suivre ce qui me dit. Si autant du monde peut suivre ce qui vous dit là, les bases au Coran et Sunna, fabiha wa ni'ma, Allahu Akbar. Mais, pas sentir ou honorer, pas sentir une gloire, un honneur, un grand qui chose. Si vous pouvez faire une petite chose et puis la preuve depuis le Coran et Sunna là. Puis la preuve depuis le Coran et Sunna et c'est pas façon de faire des man salaf ou salih. Commencez par man sahaba. Dans man sahaba, surtout les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, et ensuite tout man sahaba. Jusqu'à les derniers sahaba qui finissent vivre le salat là, Abu Tufel, ils finissent mort à la naissance de Jésus d'après man ulama. Alors, si peine à preuve depuis les trois meilleures générations, alors ce n'est pas font partie des dînes à l'islam. Alors d'après le hadith du prophète, nous comprenons que Jannah
li deja garanti pou celui ki limite li a se ki le profet fin ansegne. Definitivman. Sa se justice Allah. Allah pa pou kapan met dan se janna en di moun ki pan ado Allah e suiv so rasoul kouman Allah oule. Kouman so rasoul fin ansegne. Alors d'après hadith, nou kompran ki janna. Li deja garanti pou celui ki limite li a se ki le profet fin ansegne. Après ki Allah fin revel louli. Ça prouve qui bida innovation perd une place dans l'islam parce que action qui pas pour faire nous gagner janna jamais nous tient besoin de ça parce que action qui pas pour faire nous gagner janna jamais nous tient besoin de ça rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu li dit un hadith qui tourne sahih Bukhari li dit anna arabiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala an bidouin fin vini et le fin dia le prophète sallallahu alayhi wa sallam dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna. Au prophète de l'islam, guide-moi, enseigne-moi, montre-moi une action qui comme pour faire ali mo pour rentrer dans jannat. Qala ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a kama mun yaut alayhi. Ado Allah et n'a pas fait shirk avec Allah. Pas avant coronavirus, al-madad, tel pire, tel bouzrouk, tel kabar, parce que là, quand coronavirus vini, nous galpons avec Allah. Non. Pas associer personne avec Allah. Pas al-tabtoum, al-tab kabar, al-deman avec kabar. Avec jimoun mouda kabar. La tushrik bihi shay'a. Le prophète peut donner ça, bédouana garantie, qui action te bise faire pour te rendre dans Jannah, le diali, pas associer personne avec Allah. Wa tuqimu as-salat. Tu accomplis as-salat. Tu établis as-salat. Comme un bizin. Comme un Rasulullah fin enseigne. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fais as-salat. Comme un trouvement fait as-salat. C'est-à-dire, ban qui t'y présent, il trouve. Et ban qui t'y présent, il trouve, il transmet à nous dans sa façon-là de hadith. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa tuqimu as-salat. Al-maktouba. Ban salat qui est obligatoire. Wa tuaddi az-zakat al-mafrouda. Et tu acquittes tes zakat, ces zakat obligatoires de toi. Comme doit être. Wa tasoumu ramadan. Et tu observes siyam le mois de ramadan. Qala. Bédouin la fin dire. Fa wallavi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. L'india siyama. L'eau c'est lui qui m'a la vie trouve dans son amé. Moi n'a pas pour augmenter n'en y l'eau là. Fa lamma walla. Quand il tourne les deux pour aller. Qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit man sarrahu an yanzura ila rajuli min ahli al-janna fal yanzur ila hadha. Quand il fin viré pour aller, le prophète fin dit c'est lui qui t'y content trouve une personne parmi ban habitant jannat qui li get sa dimoun la. Qui nous comprend pas ce hadith? D'après ce hadith, nous comprend qu'il pour gagner janna une personne yena simplement pour mettre en pratique ce qui fin ordonné pour faire. Ce qui fin ordonné pour faire, faire ça, ça pour garantir nous Jannat. Donc, ça montre nous que si Jannat déjà garanti pour celui qui fait soban ibadat qui fin préconisé par l'islam, alors pays n'a aucune utilité pour qu'il nous fasse ban rite en plus. Pays n'a aucune utilité pour nous faire ban rite en plus. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua. Qui, inshallah, lui découle la compréhension des 7 preuves qui nous fait mentionner 12 preuves au total dans 4 sessions. Et à partir de mai, inshallah, nous pouvons commencer un nouveau chapitre dans Bida. C'est nous pour prouver comment tout Bida, c'est légalement. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, lui découle la guidance, lui découle la compréhension des 7 preuves-là dans nos lesquelles et lui fait nous prendre 7 preuves-là en considération. Et nous mettons en pratique afin qu'il nous protège nous-mêmes, nous protège nos familles, nous protège nos enfants, nous protège nos générations, nous protège la communauté musulmane contre nouveauté dans Dine Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une preuve qui est assez claire pour montrer nos gravités et conséquences bida dans Dine al-Islam. Alors, c'est pas trop lié, un l'honneur, un plaisir, une gloire pour faire bida, pour faire un ibadat qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Financer nous. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nous le sunnah de ce Rasul Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous moulons là
et nous lever l'eau là. Ça pour garantir nous janna et pour garantir nous aussi nous pour gagner pour boire dans le bassin de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Sinon nous pour gagner pousser et c'est un parmi les plus grands la payette. Et Mandimoun pour regretter les jours du Qiyama. Si vous êtes fin tombe dans sa catégorie Mandimoun qui fait la payette. Chers amis, nous disons Allahu khairan. Nous trouvons demain pour un nouveau chapitre, Inch'Allah, concernant Bida. Et nous disons Jazakum Allahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته